La déclaration que je m'apprête à vous lire a été coécrite par E4 et Geneva International Center for Justice. Nos organisations sont également très préoccupées par les violations incessantes des droits de l'homme en Irak. Nos sources nous ont notamment fait part d'une augmentation dramatique des exécutions sommaires et des disparitions, ainsi que des centaines de cas de détention arbitraire, de torture et d'autres traitements dégradants perpétrés par le gouvernement et par ses milices. Nous aimerions tout particulièrement souligner la nature sectaire de ces violations systématiques qui visent majoritairement la communauté sunnite irakienne. Notre autre sujet d'inquiétude concerne la campagne de bombardement à l'aveugle menée par les forces irakiennes et par la coalition dirigée par les États-Unis. En effet, elle touche de manière dramatique la population civile et provoque une destruction massive des principales infrastructures. Par conséquent, nous demandons instamment que soient menées des actions pour que la responsabilité de ces violations soit reconnue et que la paix et la justice soient installées durablement en Irak. Merci.